Hey, salut à toutes et à tous, c'est Balou, j'espère que vous allez toutes et tous très très bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous m'avez énormément demandé, donc c'était pour réaliser vos défis. Je vais reprendre la série, c'est vrai qu'il y avait un petit temps d'arrêt. Bref, aujourd'hui on va devoir rejouer avec la sensibilité la plus haute, sauf que cette fois dans le viseur on va mettre 100% également. Donc on aura 100% ici et 100% ici et encore 100% ici, et je peux vous garantir que ça va vraiment être compliqué. C'est parti, on se trouve une petite partie et on y go. Allez, c'est parti, on est sur gratte-ciel et on est en casual, hein, bien évidemment, parce que j'ai pas envie de perdre mon grade actuel. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai recréé un compte PSN. Du coup, je vous le mettrai si vous voulez en description pour vous ajouter dessus. J'ai recréé un compte, je suis pas sur mon compte principal, voilà. C'est pour ça que je suis en recrue, donc j'ai pris l'arme d'IQ, la commando. Vous voyez que je suis bel et bien en 166, tac, ça tourne vraiment vite. Même dans le viseur, c'est... Oh là là. C'est en train de sortir. Ok, bien joué Sledge. Donc l'objectif de la vidéo, ça va bien évidemment être de faire du kill et surtout de terminer en première position. J'ai cru que j'allais l'avoir, mais non. Alors, il y a un Jaeger, on l'a vu. Là, il y a Pulse. J'ai pas d'accessoires, j'ai pas de compensateur, j'ai pas de poignée. Ça va être compliqué avec une sensi comme ça. Je suis pas bien aidé, on va dire. Hop, il y a un piège de Frost, on l'a vu. Salut. Vive la casual. Hop, on va mettre une petite grenade ici. On va passer à la fenêtre. On va essayer de la tirer. Voilà. Oh, c'est trop dur le shoot. C'est trop dur avec cette sensi, je vous jure. Essayez, honnêtement, ça peut être drôle si vous faites des défis avec vos potes. Mais je crois qu'il n'y a plus personne dans le jeu. Je suis pas sûr. Si, il y en a un dans l'aube, est-ce qu'il y a un Frost? Non. L'autre, il est dans le coin là-bas. On l'a vu. Hop, on va l'ajuster. Non, on n'y arrive pas. Que la sensi, je vous jure. Ah, c'est trop dur de bouger. Le dernier, on l'a vu, il est là-dedans. Et voilà, bien joué. Ouais, franchement, les gars, vous allez dire, ouais, t'as un shoot de plot, qu'est-ce qui t'arrive? Mais honnêtement, je vous assure, c'est vraiment trop compliqué d'avoir une sensi comme ça. Moi, je joue généralement en 45, 45 et 29. J'ai trouvé maintenant une sensi en 51, 51, 29. C'est la nouvelle sensi que j'ai utilisée. Mais c'est assez compliqué. Et donc, quand je joue avec des sensi comme ça au max, ah, j'ai Jaeger, cool, je vais le prendre. Hop, nickel. Et bah, quand je joue avec des sensi comme ça, bah, j'ai du mal, ça me change. En plus, j'ai pas fait de game avant. Ça fait quelques jours que j'ai pas joué à Rainbow. Et honnêtement, c'est un peu dur. On se retrouve juste après. Allez, c'est parti. Donc là, le temps est passé. Les ennemis vont attaquer. J'ai pris Jaeger. Je me balade un petit peu au tambour. Tac. Regardez-vous, quand vous tapez dedans, je sais pas si vous entendrez la vidéo, ça fait un espèce de... Hop, je me tais. Ça fait un bruit de tambour. Voilà, c'est assez cool. Bon, c'est un peu con, mais on s'en fout un peu. Pour l'instant, on est en 3-0. On va essayer encore une fois de faire quelques kills pour assurer notre première position. On va essayer de surtout gagner la partie. Par contre, le truc... ce qui me dérange, encore tourner comme ça et comme ça, c'est pas dérangeant. C'est vraiment la sensi dans le viseur. Quand tu tournes comme ça, c'est impossible de contrôler son recul. Enfin, moi, j'y arrive pas. Il y a un mec qui est juste là, je crois. Non? J'entends un truc se casser. J'espère également que vous entendrez pas la PlayStation en fond derrière. Parce qu'elle fait un peu de bruit, moi, je l'entends. Ok, ils sont tous dehors. Si on fait une sortie, on peut peut-être en shooter un ou deux. Ok, donc il y avait un mec ici. Je sais pas si on l'a touché, il me semble pas. Je sais pas si on l'a touché encore, mais en tout cas si on l'a touché, il est pas bien. Ouah, c'est impossible d'avoir un shoot potable. Honnêtement, le shoot, il part vraiment vraiment en vacances. C'est vraiment très très compliqué. Il y a un gars, je crois, qui est au samouraï. Oh là, c'est trop dur de contrôler, je vous jure. Oh putain. Au pire, essayez, honnêtement, essayez. Vous verrez par vous-même que c'est assez compliqué. C'est pas impossible, hein, si je le fais, parce que, voilà. Il y a un gars qui me rush. Je l'ai entendu. Ou c'est mon allié, je sais pas. Il y a un drone, en tout cas. Ok, il lui a mis un pou... Ouais, il était bien là. En fait, il allait... Ah ouais, il était juste derrière moi, putain. Je me disais bien qu'il y avait un pélo. Ok, donc il reste 2 minutes. Ça quitte en face. Ok, ça a rejoint. Gats the Seven a rejoint la partie. Je sais pas trop ce que c'est comme pseudo, bref. Si vous voulez m'ajouter sur ce compte, hein, y a pas de souci. Vous pouvez regarder la barre des filles en haut à droite quand je tue quelqu'un. Je vous accepterai quand bah, je jouerai sur ce compte. Même si je pense que je vais y jouer tous les 36 du mois. Ça veut dire que je vais jamais y jouer, je pense. Mon compte principal, je suis toujours dessus. Par contre, là, les ennemis mettent vraiment du temps à venir.
J'aimerais bien faire un peu de kill. Faut toujours laisser un peu ouvert parce que sinon tu peux pas t'enfuir si t'es en mauvaise posture. Comme ça, tranquille. Il y a Glaz, mais Glaz, il est où? On va essayer de le shooter, Glaz. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on porte ses couilles. Je sais pas où il est. Ok, il y a H ici. On la tue. Et le dernier, je crois que c'est Glaz. Oula. T'es dangereux, toi. Oh, la vidéo, elle peut être très rapide comme elle peut être très longue. Si là, on gagne 3-0, bah c'est fini. Ça sera le premier défi remporté. Même si j'avais déjà fait ce défi sur la chaîne, si vous vous souvenez. Mais voilà, comme j'ai marqué un petit temps d'arrêt de cette série des défis, et bah je le refais comme ça tranquillement. Oh, il est là. C'est vraiment compliqué, les amis. Je vous assure, c'est vraiment compliqué. Là, je suis un peu concentré, honnêtement. J'ai essayé de le cut, mais la 106, c'est vraiment super compliqué d'arriver à gérer avec 106. C'est trop dur. Enfin, j'arrive pas. J'ai aucune précision. C'est un truc de ouf. Et voilà, donc, si on gagne cette manche, eh ben, on a gagné. La vidéo, ça sera un succès, parce que pour l'instant, on va dire qu'on est presque premier. Faut qu'on fasse encore quelques kills. Avant d'aller plus loin, je vais bel et bien vous montrer que je suis en sensibilité au maximal. Voilà, 106 ici. Et ça en bas, sauf là j'ai laissé à 5 parce que ça on s'en fout. Voilà, vous avez bien vu que je suis à 100, je m'en fous, c'est pas dans mon intérêt de vous mitonner. Voilà, tranquillement, on monte en rappel, il y en a, il est avec sa flash, je sais pas il fait quoi. Ah c'est vraiment dur, honnêtement c'est vraiment dur. Ils ont buté ici, nickel, moi je vais aller tout seul de mon côté pour faire un max de kill. Il y a Kavera en roaming, faut faire attention quand même. Ok, oh là là. Si je suis en duel avec Kavera, mais elle va m'enculer, mais d'une puissance. Okay, donc c'est barricadé. Ok, il y en a un dans l'objet. C'est l'ami Jaeger. Je ne sais pas si on l'a touché. On l'a tué. C'était pas Jaeger, c'était Pulse. Ok. Il y en a un autre dans l'objet. On va mettre une petite grenade ici. Je crois que je l'ai carrément fail cette grenade. On va mettre aussi une petite fumée. Voilà, parce qu'on est comme ça. Yamira dans l'objectif. On l'a vu, on va tirer toutes nos balles. Est-ce qu'on va l'avoir? Non, bien évidemment que non. C'est contesté. Ok, Glaz il est rentré. On va remettre une fumée là. On va passer du côté de l'ami Glaz. Ah non, c'est pas Glaz qui est rentré. J'ai dit une connerie. Ah, derrière, Kavera. Ah, est-ce qu'elle m'interroge? Non. Je crois que je suis en train de... je sécurise. Non. Il m'a eu, c'est Scorpion. Bah, il était dans l'objectif. Et donc, est-ce qu'on a fini premier? Oui, on finit en 6-1 malheureusement parce qu'il y avait Kavera derrière. Ah, je vous laisse avec quelqu'un pour la voir si vous voulez. Hop. C'était Mira la dernière. Donc bah voilà, je pense qu'on va dire le défi est quand même on va dire, il est réussi. Enfin à vous de me dire s'il est réussi ou non. J'ai joué avec la 106 max, c'est pas la 106 avec laquelle je joue le plus souvent sur Rainbow Six Siege. Merde, bah voilà, mon pseudo c'est je lève la moto hein, si vous voulez. Et donc voilà, j'espère que ça vous aura plu, bien évidemment. Pour le prochain défi en commentaire, n'hésitez pas à me dire ce que Pour le prochain défi, n'hésitez pas à me dire ce que vous voulez que je vous réalise. Bah, c'est vous qui choisissez en commentaire les top commentaires et ceux qui ont le plus de likes sur leurs commentaires, et bah, ça sera le défi qui seront sélectionnés. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu et essayez de jouer avec une sensi comme ça et vous verrez que c'est assez marrant à jouer. Même si c'est un petit peu dur, mais on rigole quand même. Voilà les amis, la fin de la vidéo, il n'y aura aucun gameplay, mais je vous demande quand même d'y rester, j'ai quelque chose à vous dire. À l'heure actuelle, nous sommes presque aux 70 000 abonnés, peut-être que quand cette vidéo sera mise en ligne, ça sera un palier qui sera franchi. Et justement, je tiens vraiment à vous remercier tous autant que vous êtes. Ça fait peut-être cliché de vous remercier à chaque fois, mais c'est quand même la moindre des choses. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais on est 70 000 personnes, pour vous c'est peut-être pas énorme, vous connaissez des youtubeurs avec des millions d'abonnés. Mais pour moi, vous, mes 70 000 abonnés, ça représente énormément pour moi. Vous êtes toujours là, vous êtes les meilleurs abonnés qu'on puisse espérer en tant que vidéaste. Et c'est si rare d'avoir une communauté comme ça que là, honnêtement, bah, j'ai pas vraiment les mots pour vous remercier. On va fêter ça pour les 70 000 abonnés, vous inquiétez pas, j'ai prévu une vidéo vraiment cool pour l'occasion, je pense qu'on va bien se marrer. Et surtout vous, moi peut-être un petit peu moins, mais je vous en dis pas plus. En tout cas, sachez que je vous remercie. Toutes et tous, je fais cet aparté dans cette vidéo car dans la vidéo spéciale des 70 000 abonnés, je ne pourrai sans doute pas prendre le temps de vous remercier comme je le fais maintenant, car sinon la vidéo sera bien trop longue. Du coup, je vous embête pas plus que ça, merci à celles et ceux qui seront restés jusqu'à la fin de la vidéo, et je vous remercie encore une fois pour les 70 000 abonnés, 70 000 merci. Et aussi, je ne sais pas si je vous l'ai dit avant, mais pour la prochaine vidéo, des défis, donnez-moi des défis réalisables, par exemple la full team avec l'arbalète de Capitao, j'ai des doutes sur le pourcentage de réussite. Allez les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée ou soirée et je vous dis donc à très très bientôt pour une prochaine vidéo en espérant que celle-ci vous ait plu et 70 000 merci.